L'actualité au Pays Basque, c'est bien sûr ce terrible incendie qui a dévasté une partie de la forêt du Piñada à Anglet jeudi soir. On le voit derrière nous, le parc écologique Isadia est tombé sous les flammes. Au total, 165 hectares de végétation sont partis en fumée en quelques heures. Le temps chaud et sec, le vent violent et la composition de la forêt ont attisé le feu autour du quartier Chiberta, le poumon vert d'Anglet. Fort heureusement, l'incendie n'a pas fait de victimes. Une dizaine de maisons ont été endommagées et évacuées, leurs occupants relogés. Au total, plus de 350 sapeurs-pompiers se sont relayés pour éteindre le feu. Aujourd'hui encore, le massif reste sous surveillance pour éviter tout nouveau départ de flammes. L'enquête se poursuit pour déterminer les origines du drame. On sait depuis samedi qu'il est issu d'une action humaine. Reste à savoir si cette action est accidentelle ou volontaire. Cet accident a marqué les esprits bien au-delà du Pays Basque, tant cette forêt fait partie du patrimoine. Les messages de solidarité, anonymes ou officiels, continuent d'affluer, comme ceux d'Emmanuel Macron ou de la secrétaire d'État à la biodiversité Bérangère Abba, venue sur place dès vendredi soir. C'est un peu Notre-Dame de Paris, disaient certains. Paradis des joggeurs et des promeneurs, à quelques pas de l'océan, le Piñada est l'un des joyaux d'Anglet que la ville entend vite replanter. Dès samedi, le maire Claude Olive a annoncé une replantation différente et un entretien plus attentif. Des réunions sont prévues ces prochains jours pour préparer la reconstruction du massif et du parc Isadia. Actualité plus heureuse maintenant à Bayonne, avec une fin de semaine sans fête et sans débordement. Même si l'on observait quelques tenues blanches et rouges et un peu plus de monde qu'à l'ordinaire, les consignes ont été respectées. Respect aussi à Biarritz depuis lundi, où le port du masque est obligatoire dans les rues du centre-ville. C'est également le cas à Bayonne depuis ce mercredi. Toujours par mesure de sécurité sanitaire liée au Covid-19, les plages de Biarritz et d'Anglet sont fermées la nuit de 22h à 6h du matin. Mais cette interdiction laisse largement le temps de profiter de l'océan la journée et d'un Pays basque ensoleillé jusqu'à la fin de la semaine.